Salut les petites pousses. Et ben aujourd'hui, écoutez, je vais faire une nouvelle plantation au programme de la salade, donc qui vient directement de mon jardin intérieur. Donc je vous ferai une vidéo prochaine là-dessus parce que c'est un cadeau que j'ai eu à Noël et c'est vraiment top top top. Et des pommes de terre. Donc voilà, donc vous allez pouvoir suivre ça en accéléré. Allez, on y va. Au niveau de la terre, j'ai une terre qui est très très sableuse. Avant, sur le terrain, on avait un immense cerisier, on a eu beaucoup de racines. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que le sol, on a d'abord travaillé à la main avec des outils. Ensuite, on a passé la motobineuse. Donc là, c'était au mois de mars. Et après, on a retravaillé un peu avec des outils. Donc là, ce qui explique que la terre est plutôt comme ça. Voilà, mes patates sont plantées. Donc là, dans mon potager, il me restera juste à mettre des carottes, des radis et des haricots qui sont actuellement semis. Je vais vous les montrer un petit peu après. Les semis, je les ai fait il y a 2 jours. Donc voilà, ça vient juste de commencer. Donc je vous ferai des petites photos sur Facebook pour voir l'avancée. Donc dans mon jardin, il y aura des radis, des carottes, des pommes de terre, de la salade, du concombre, de la courgette, des tomates, des fraises, des framboises, des groseilles et des poivrons qui sont actuellement dans mon jardin intérieur. Et les petites pousses, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai un ami dans ma classe qui fait des vidéos donc sur l'alternance, ça se déroule également dans le cadre de son alternance, c'est son entreprise qui lui demande de faire ça. Ça lui plaît beaucoup, il fait plein de vidéos qui sont juste au top. Il fait des rencontres avec des jeunes qui ont fait de l'alternance, enfin, pour qui ça leur plaît vraiment. Donc vraiment je vous incite à y aller, sa chaîne est vraiment superbe. Donc ça s'appelle Un Max de Vlog, donc je vais vous mettre le petit lien juste là. Et puis bah sur ce, à plus les petites pousses.